Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Hommes et Pouvoir est une déclinaison du programme Femmes et Pouvoir. Car on entend souvent dire que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais souvent on oublie de rajouter que derrière de grandes femmes se cachent également de grands hommes qui n'hésitent pas à s'engager pour le droit des femmes, pour que leurs droits soient respectés. Beaucoup de femmes que j'ai interviewées m'ont souvent fait le témoignage du rôle déterminant que les hommes ont joué dans leur parcours professionnel, en tant que conjoint, compagnon, père, frère, ami ou mentor. Pour les mettre en lumière, une fois par mois, Femmes et Pouvoir donne la parole à un dirigeant pour partager son témoignage avec le plus grand public. C'est une façon pour nous de casser les idées reçues sur les hommes de pouvoir, car le combat des femmes ne saurait être gagné sans l'apport des hommes. Notre invité du jour s'appelle Charles Mbéa. Il est le président directeur général du groupe Mbéa, Charles Mbéa Conseil. Monsieur Mbéa, bonjour. Bonjour Carole, bonjour à vos téléspectateurs. C'est un plaisir d'être sur votre plateau aujourd'hui. Mais merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais ça me fait plaisir, le plaisir est partagé. Alors, quand je dis femme et pouvoir, spontanément comme ça, quelle est la première image qui vous vient en tête? Qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, écoutez, la première image qui me vient en tête, femme et pouvoir, je pense tout de suite à maman Jacobine, ma maman, parce que, voilà, sans elle, je ne serais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. Bien entendu, il y a eu la contribution de papa. Mais les mamans, tout le monde sait combien elles sont taciturnes, combien elles sont patientes, combien elles mettent tout en avant pour la réussite de leurs enfants. Oui, ça fait absolument penser à ma maman et à toutes les mamans du monde entier qui donnent de leur quotidien tout ce qu'elles ont en elles comme pouvoir naturel que Dieu leur a donné, de pouvoir donner à ce monde-là le sens qu'il est aujourd'hui. Alors, que signifie pour vous le mot pouvoir? Est-ce que pouvoir, ça signifie mère? Pouvoir ne signifie pas forcément mère, mais le pouvoir en lui-même, c'est l'aptitude qu'a toute personne de pouvoir transformer ou de pouvoir agir dans son environnement proche ou lointain par des décisions que cette personne prend. C'est ça, pour moi, la signification du mot pouvoir. Et comment est-ce que ça se traduit pour vous dans votre environnement personnel et professionnel? Personnellement, professionnellement, le pouvoir pour moi, aujourd'hui, c'est l'aptitude que j'ai à pouvoir fédérer toutes mes équipes. Quand je dis mes équipes, ça veut dire mes équipes ici à Montréal, au Canada, mes équipes à Paris et mes équipes au Cameroun, à Yaoundé. Fédérer donc toutes mes équipes autour de cet idéal qui est le nôtre, à pouvoir faire avancer ce groupe-là, qui est ce groupe que nous avons mis en place, pour qui nous travaillons fort, très fort aujourd'hui, comme disent nos amis canadiens qui nous ont accueillis. Donc, pour moi, ce pouvoir-là, c'est de pouvoir mettre tout ce monde-là, la capacité à mettre tout ce monde-là autour d'une table, à les soutenir, à les conduire, à complètement accompagner nos clients au quotidien. Donc, ce pouvoir que nous avons, cette capacité que nous avons à pouvoir donc suivre tout ce monde-là, les fédérer autour d'un objectif ou d'un idéal ou des principes qui sont les principes du cabinet et du groupe que je dirige aujourd'hui. C'est ça pour moi la signification de mon pouvoir sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, je le reprendrai beaucoup plus sur le sens familial, un peu comme je disais tantôt, en calquant le tout sur ce que j'ai reçu de mes parents et spécifiquement de ma maman. C'est cette possibilité-là de pouvoir encadrer les miens, soutenir mes enfants, les diriger sur le chemin qui est le sien, les accompagner, de pouvoir donner, leur transmettre les valeurs que nous autres, nous avons reçues, de la société qui les a accueillis, et de pouvoir effectivement, comme je disais tantôt, les guider au quotidien. C'est ça pour moi, le pouvoir sur le plan personnel. C'est vrai que vous êtes très engagé aussi bien sur le plan communautaire, au niveau de la communauté noire, dans le sens global, à Montréal, mais aussi en France, mais aussi dans votre pays d'origine, qui est le Cameroun, mais aussi sur le plan familial, parce que
C'est aussi les valeurs que vous souhaitez transmettre. Vous travaillez beaucoup en famille. J'ai eu le plaisir de rencontrer votre épouse il y a quelques semaines de ça. Vous êtes engagé sur ces actions professionnelles, mais aussi sur ces actions humanitaires. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous semble une obligation? Parce que souvent, les hommes de pouvoir pensent d'abord à être carriéristes. Or, vous, vous entendez la carrière dans un sens collectif, qui est plutôt une approche féminine. Comment ça vous l'expliquez? Merci, Carole. Elle est très intéressante, votre question, parce qu'elle englobe tellement de choses. Je ne sais pas par où commencer quand même. Oui, effectivement. Aujourd'hui, je travaille beaucoup en famille. D'ailleurs, ce n'est pas simplement moi, le tissu industriel canadien, québécois, comme ça, le pays qui nous a accueillis merveilleusement, est constitué d'un pourcentage très important de personnes travaillant en famille, en socle familial, parce que c'est là qu'on peut transmettre des valeurs. Mais effectivement, le fait de travailler en famille, ça nous permet aussi de pouvoir partager notre quotidien, nos angoisses vis-à-vis des autres, comme je disais tantôt. Et oui, pour revenir sur un autre volet, par rapport à notre communauté, moi, je parle d'une expérience personnelle. Quand nous arrivions dans ce beau pays qu'est le Canada, qu'est le Québec, qui nous a accueillis, on s'est rendu compte que nos aînés, et je le dis avec beaucoup de courage, nos aînés ne nous aidaient pas beaucoup. C'était très facile à nos aînés de nous dire, vous êtes arrivés là, le Canada est trop compliqué, commençons par les manufactures. Nous avons dit non, on ne peut pas aujourd'hui. Nous avons vécu ça, on est arrivé avec bardé d'expérience. Comme vous savez déjà, le Canada a fait ce que la France fait depuis longtemps et le Canada le fait depuis longtemps avec beaucoup de succès, l'immigration choisie. Et donc, nos jeunes qui arrivent ici, c'est des jeunes généralement bardés de diplômes. Ce n'est pas des gens qu'on traîne dans la rue. C'est des gens qui sont arrivés avec minimum un baccalauréat, qui ont des licences, qui ont des maîtrises, qui ont dans tous les domaines de la vie. Alors, il est complètement absurde que nos jeunes arrivés dans ce pays-là, avec tous les espoirs que cela suscite, qu'on puisse les envoyer simplement d'y commencer par les manufactures. Et donc, j'ai dû mettre en place avec un ami qui croit, à qui je crois et qui croit exactement à moi aussi aujourd'hui, pour la survie et comment est-ce que nous voyons notre communauté dans cette société qui nous accueille. Je veux parler rapidement de Sidi Kouyaté, que je respecte beaucoup et à qui je fais un clin d'œil ici. Nous avons mis en place un organisme qu'on a appelé Talents Immigrants pour effectivement soutenir tous nos jeunes, pour dire, stop, nos jeunes ne doivent plus arriver dans ce pays qui a autant d'opportunités et commencer par les manufactures. Les autres ont fait ça. Quand ils arrivent ici, on a des ingénieurs parmi nous, on va mettre en place des passerelles qui vont leur permettre de pouvoir avancer. Et moi, dans mon train quotidien, ce que je fais en tant que cabinet d'expertise comptable, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ça c'est mon job au quotidien, nous avons mis en place ma DRH chez moi-même. La DRH, c'est Antoinette, c'est mon épouse. Nous avons mis ça en place. Donc, nous avons mis en place toute une structure pour pouvoir accueillir notre communauté. Parce qu'on n'avance pas sans sa communauté. Nous l'avons compris déjà. Donc, nous le faisons déjà pour nos jeunes. Nous encadrons nos jeunes qui arrivent. Nous soutenons nos jeunes, quel que soit le niveau de compétence ou quel que soit le niveau qu'ils ont dans le cursus comptable, que ce soit au niveau de l'AEC, l'attestation d'études collégiales, au niveau des BEP, au niveau du bac en comptabilité, au niveau même de l'expertise comptable pour être CPA, nous encadrons nos jeunes aujourd'hui. Et c'est ça notre façon de montrer que la question que nous devons nous poser aujourd'hui, ce n'est plus qu'est-ce que notre communauté a fait pour nous, c'est qu'est-ce que, Carole, nous avons fait pour notre communauté. Parce que c'est comme ça qu'on laissera notre empreinte. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous travaillons sur cet aspect-là, pour non seulement encadrer nos jeunes, les soutenir, les faire avancer, leur faire avancer et leur inculquer cette valeur-là. Je leur dis, vous avez reçu, exactement comme il est dit dans la Bible, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et pour parler de l'autre côté, pour faire la passerelle, Carole, comme vous disiez tantôt, l'autre côté bénévolat sur lequel le cabinet aujourd'hui s'attelle énormément, c'est de soutenir à travers l'œuvre d'Antoinette, ma chère et tante épouse, le REDCAM, que vous avez déjà eu l'honneur de pouvoir l'interviewer là-dessus, le relais enfants-parents du Cameroun, qui soutient tous les enfants de ces personnes-là incarcérées, qui sont, comme elle le dit très bien, les orphelins de notre genre. Le cabinet, par ses actions sociales, soutient cette œuvre-là aujourd'hui, une façon de tendre la main vers le plus démuni, une façon
de dire vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné, il y a quand même des gens qui pensent à vous. Bien entendu, nous espérons que ces actions, oui, nous gagnons de l'argent aujourd'hui au cabinet, ça il va sans dire, nous sommes en Amérique du Nord, mais nous ne gagnons pas de l'argent pour le gagner. Ce que nous faisons de côté, nous essayons de mettre sur tout le volet social et dire oui, nous sommes dans un monde humanitaire, nous vivons dans un milieu qui nous accueille. Il y a même à Montréal des gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, des travailleurs, des personnes qui travaillent dur au quotidien, qui se lèvent le matin et ne peuvent pas boucler les fins de journée. Et ça, c'est important d'en parler. Et ça, c'est aussi ce que le cabinet fait au quotidien pour apporter un peu de la valeur, ajouter un peu de sourire à tout ce monde. Est-ce que vous avez noté, vous, dans votre cabinet ou dans la manière de travailler, qu'il y a eu une différence de l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme, ou dans vos partenaires? Oui, oui, définitivement. Parce que malheureusement, nous les hommes, nous les exerçons aujourd'hui en le faisant, en l'utilisant pour nous-mêmes, un peu comme si nous étions le centre du monde. Je pense que la meilleure façon d'exercer le pouvoir, ce serait effectivement de tendre la main vers les autres, d'utiliser ce qu'on a de soi en mieux pour soutenir. C'est ça la meilleure façon d'exercer le pouvoir. Et moi, je pense que, même si c'est quelque chose qui n'est pas partagé par beaucoup de personnes, moi, c'est une conviction personnelle. Utiliser ce que j'ai de moi en mieux pour donner le sourire à l'autre, pour tendre la main vers l'autre, vers le plus dénué. Et juste une histoire, Carole, et ça part aussi d'une histoire personnelle. Parfois, on donne toujours l'impression ou l'imagerie populaire, c'est lui, on fonce vers des clients qui ont le plus de machins, qui ont le plus de business. Savez-vous, personnel. Et ça, c'est une histoire du cabinet que j'aime raconter avec beaucoup de plaisir. L'un des meilleurs clients du cabinet provient de quelqu'un que j'ai pu aider avec le merveilleux programme que le gouvernement du Québec et du Canada a mis en place. Ils ont mis un programme en place qui s'intitule « C'est un programme qui permet à ceux qui ont la possibilité de pouvoir soutenir ceux-là qui n'ont pas la possibilité de faire leur déclaration de revenus, dans ce qu'ils appellent ici les rapports d'impôt. » L'un des plus gros clients du cabinet vient de cela, et cousin à quelqu'un que je suis allé soutenir pour pouvoir faire sa déclaration de revenus, parce que cette personne était handicapée majeure. Et je lui ai dit, et comme le gouvernement nous l'a pas dit, notre salaire, c'est votre survie. Tellement content. Il m'a dit, est-ce que ça serait de venir chez moi faire la déclaration de ma conjointe? J'ai dit, avec plaisir. Samedi prochain, j'aurai plaisir de venir chez toi. Donne-moi l'adresse. Carole, j'y suis allé. Et plus tard, il m'a envoyé son cousin. Il me dit, s'il te plaît, si tu as un souci, va voir si mec là, il est sous cet hiver. Carole, aujourd'hui, c'est l'un des gros clients du cabinet. Je l'ai obtenu en étant humain simplement, en essayant de partager, en donnant un coup de main à quelqu'un qui n'avait pas. Lui, nous pouvons donner le sourire à côté et avoir de l'ensemble. Les voix du Seigneur sont insondables. Absolument. Ben, écoute, sur ces belles paroles, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Hommes et Pouvoir avec Charles Mbéa du groupe Mbéa Conseil, où nous parlions de son engagement au sein de la communauté, mais aussi son engagement au sein de la société en général, où il mettait l'accent sur l'importance de rester solidaire et de pouvoir tendre la main aux plus faibles. Il nous disait que les voies du Seigneur sont insondables. Donc, Shalem Béa, toujours pour aller dans le sens, on va dire, de la sagesse divine, quel est le propos ou la parole la plus sexiste que vous ayez entendue et comment est-ce que vous avez réagi? Alors, c'est au village, ça, c'est est-ce que les pupilles d'une femme ont déjà traversé la clôture? Est-ce que tu as déjà vu une femme qui a fait pupille jusqu'à ça traverser la clôture? Et puis, ça, c'est au village, je leur ai dit, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas dire ça. Ça, c'est complètement réduit la femme à quelque chose d'inacceptable. Vous ne pouvez pas dire ça. Il dit, ici, c'est au village. Bon, donc, il nous reste encore du travail. Oui, définitivement. Pour revenir à une actualité plus récente, on parlait tout à l'heure de l'importance de soutenir sa communauté. Que vous inspire le mouvement Black Lives Matter? Ben,
Le mouvement BLM a apporté pour nous encore une certaine clarification pour ceux dont il était encore besoin de clarifier un quelconque quelque chose. En fait, a mis un peu plus en lumière les difficultés qui existaient déjà. Exactement, les difficultés qui existaient déjà. Et puis, voilà, avec ce mouvement-là, c'était une prise de conscience, enfin. Un mouvement qui rappelait encore aux gens un certain nombre de choses qu'on n'avait pas besoin de le rappeler. Il est très bien que cela arrive pour pouvoir de mieux en mieux conscientiser les gens. Qu'est-ce que la communauté noire pourrait faire pour imposer un nouveau rapport de force? Parce que finalement, on part du principe que le respect, ça ne se donne pas, mais que ça se gagne. Mais qu'est-ce que la communauté noire pourrait faire pour gagner encore plus de respect pour que ce genre d'événement qui est arrivé, qui a suscité le mouvement Black Lives Matter, ne se reproduise plus? Par le travail, simplement, Carole. Parce que, comme disait quelqu'un, la vraie magie, c'est le travail. Par le travail, tout simplement qu'on monte des actions positives qu'on peut commettre au sein de la société qui nous accueille par notre façon de faire, par notre façon d'intégrer des valeurs que nous recevons là où nous sommes. Ce n'est que comme ça que nous pourrons changer les choses. Vous, votre cabinet est installé sur 3 continents, c'est-à-dire l'Amérique du Nord au Canada, l'Europe en France, mais aussi le Cameroun. Est-ce que vous avez noté une prise de conscience au sein de la communauté, au sein des Noirs en général, sur ces 3 continents? Définitivement. Surtout ici à Montréal et à Paris. À Paris, ceux que nous employons sont essentiellement des personnes de nationalité française, qui sont des personnes blanches, disons-le comme ça. Mais ces personnes sont définitivement conscientisées à cette problématique-là. Ils savent que ça existe. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enrayer dans la société. C'est, comme dirait quelqu'un, une éducation permanente. On ne pourra jamais cesser de le parler. C'est un peu comme les autres mouvements qui ont existé par le passé, que les gens puissent reconnaître que oui, nous vivons dans une société commune aujourd'hui. Nous partageons les valeurs communes. Et il est forcément hors de question que certaines discriminations d'une autre genre puisse encore exister en notre siècle aujourd'hui. Heureusement, nous avons les médias sociaux qui nous accompagnent et qui font un travail formidable là-dedans. Est-ce que vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur? Quelque chose qui vous énerve vraiment, mais je crois que vous l'avez un peu dit tout à l'heure, par rapport à la communauté. Est-ce que vous avez un coup de cœur? Un coup de cœur, c'est tout cela qui donne au quotidien leur temps et leur énergie pour les autres. C'est toujours quelque chose qui me fait énormément plaisir. Oui, ça, c'est mon coup de cœur. Tendre la main vers les autres, on en tire toujours un profit. Tendre la main vers le plus petit, on en sort toujours plus grandi. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous agace vraiment dans la société en général, que vous aimeriez voir changer? Oui. Définitivement, c'est l'attitude, toujours notre attitude vis-à-vis des femmes. Nous pensons aujourd'hui que beaucoup de choses sont faites par les femmes. Elles sont toujours à la base de toute décision humaine, si simplement ce monde pouvait être gouverné par les femmes. D'ailleurs, le président Obama l'avait dit dans une de ses interviews, si vous savez tout ce que les dames pouvaient apporter aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. On est aujourd'hui rendu à des discussions, à des problèmes de quotas, des discussions de cette nature-là, comment augmenter la place des femmes. C'est dommage. Si tout pouvait être fait par des femmes, ce serait merveilleux. Si vous étiez un homme, une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous? Oh mon Dieu. Je pense que beaucoup de gens l'ont déjà dit. Un homme d'État, oui, ce serait vraisemblablement Obama. Une femme d'État, c'est Angela Merkel, pour sa ténacité, son sens de compréhension. Elle a une politique, le genre même de faire dans un genre de velours. Elle arrive toujours, elle vous donne l'impression que c'est facile, c'est dur, mais elle arrive toujours à se faire. Oui, Angela Merkel, l'ange d'Angela Merkel et puis d'Obama, ce serait merveilleux. Un bon mélange, je pense. Oui. Oui. Si vous avez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Par nos jeunes. Nos jeunes sont l'avenir de l'humanité. Par les valeurs que nous les inculquons à la maison. La maison, la famille, qui est l'unité la plus restreinte de notre société. Oui, tout ce que nous disons à nos jeunes, nos jeunes sont l'avenir de l'humanité. Et c'est important qu'on commence par là, par leur éduquer, leur donner des valeurs, ne jamais lâcher prise. Et c'est important, parce qu'ils le rendront aussi à leur génération. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Le jaguar, certainement.
par son agilité, sa force, son intelligence. Oui, définitivement le Jaguar et sa rapidité. Et si vous étiez une voiture, laquelle seriez-vous et pourquoi? Jaguar. Je prendrais une Ferrari. On reste dans la même gamme, en fait. On reste dans la même gamme, oui. Si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous et pourquoi? Montréal, définitivement. Montréal, parce que c'est cette ville-là qui nous a accueillis, qui a accueilli ma famille, qui a accueilli mes enfants. Et nous partageons totalement les valeurs de cette ville-là. Oui, définitivement, ce serait Montréal. Elle est merveilleuse comme ville. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui, pour vous, symbolise le pouvoir et la masculinité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Carole, mon ordinateur. Alors, mon ordinateur, pourquoi? Parce que, à partir de ce simple objet, tout simple-là, je dirige toutes les entreprises que je dirige dans le monde, sur les trois continents, à partir de Montréal. D'ici, je dirige des entreprises en Amérique du Nord, en France, au Cameroun. C'est définitivement mon ordinateur, parce que combien on est dépendant de cet objet-là, et c'est justement à partir de là que j'essaye d'inculquer aux autres ma meilleure façon de se comporter, la meilleure façon de vivre, que ce soit sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Puis mon ordinateur définitivement. Parfait. Quel message avez-vous envie de livrer aux hommes qui regardent cette émission? De faire confiance aux femmes. De faire confiance aux femmes. Parce que sans elles, notre monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et avec elles, notre monde serait encore meilleur. Oui, de faire confiance définitivement aux femmes. Alors, Shalom Béa, notre émission touche déjà à sa fin. Vous êtes un homme de pouvoir. Pour conclure cette émission, dites-nous en un mot, quel est votre super pouvoir? C'est ma famille. Mon super pouvoir, c'est ma famille. C'est le socle sur laquelle je repose, définitivement ma famille. Parfait. Merci beaucoup, Shalom Béa. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Et sur ces bons mots, on se dit à très bientôt alors. C'est moi qui vous remercie, vous et vos téléspectateurs, de m'avoir accueilli. Merci, à très bientôt. À très bientôt. C'était Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Soutenez-nous à travers tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, mais aussi sur notre chaîne femmes et pouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.